Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois de mai, l'avant-dernier de cette deuxième saison du Ciné-Club. Une petite équipe ce soir, Pedro a eu un empêchement de dernière minute, il n'est pas là avec nous ce soir, il sera normalement là sans aucun problème pour la dernière au mois de juin. Sinon, Eric, Andrés et moi-même présents ce soir pour un Ciné-Club spécial cinéma italien. Cinéma italien, vous avez bien entendu, je pense que... il n'y a pas de raison, le cinéma italien possède de véritables petites pépites d'or dans son catalogue cinématographique. Et le film de ce soir est pour beaucoup de personnes, en général, et les cinéphiles en particulier, l'un des plus beaux de l'histoire du cinéma. Il s'agit du film Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, film de 1988, l'air de rien, on profite en même temps pour lui rendre hommage, ça fait 30 ans que ce film est sorti cette année. Un film de Giuseppe Tornatore, un réalisateur donc italien, qui a réalisé entre autres le film Manella, je pense. Malena, avec Monica Bellucci. C'est bien ça. Et un film personnellement que moi j'adore, 100 jours à Palerme, avec Lino Ventura. Donc, réalisation de Giuseppe Tornatore. Niveau casting, nous avons Philippe Noiret et Jacques Perrin. Philippe Noiret en incarnant le rôle de l'inoubliable projectionniste dans le film. Et comment ne pas le citer aussi, le petit Salvatore Toto, le petit garçon du film qui, bizarrement, disparu quasiment dans la nature après... ce film-ci, il n'a quasiment plus rien tourné juste après Cinema Paradiso. On en parlera plus longuement tout à l'heure pendant le débat. Donc, Cinema Paradiso, un film que je considère moi personnellement magique, avec à la baguette comme chef d'orchestre pour la bande originale, l'un des plus grands aussi dans son genre, Ennio Morricone. Je pense que c'est un film que l'on n'oublie pas une fois qu'on l'a découvert. J'ai eu la chance de le revoir il y a plus ou moins 5 ans et je peux confirmer déjà à l'avance que, en tout cas pour moi, ce film n'a pas vieilli. C'est un film pour moi magique, avec beaucoup d'amour, un peu d'humour, tous des ingrédients qui font qu'un film réussisse, marche, qu'un film soit grand pour l'éternité. À l'époque d'ailleurs, il l'avait déjà considéré comme tel, puisqu'en 1988, il est quand même lauréat d'un Oscar et d'un Golden Globe, rien que ça, tous les deux comme meilleur film étranger. Donc, avec tout ça, il y a quand même une... petit truc ce soir, c'est que deux d'entre nous ce soir n'ont pas vu ce film, Andrés et Eric, ils n'ont jamais vu ce film. Bon, je ne vais pas vous poser les questions, comment ça se fait, quoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quelque part ce soir, je vous envie parce que vous allez avoir la chance de découvrir Cinema Paradiso, comme d'habitude, hein. On va faire une projection, donc taille optimale, en plus de ça, en Blu-ray, et version longue. Donc, vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai découvert ce film il y a déjà quelques années, il y a 30 ans au cinéma. Je l'ai revu il y a 5 ans. Je trouve ça toujours aussi magique. Vous nous direz tout à l'heure, tantôt tous les deux, ce que vous en pensez. Je vous envoie tout de suite la bande-annonce comme on a l'habitude de le faire. La bande-annonce, elle aussi, est un peu spéciale puisqu'elle est en version originale, donc en italien, sous-titré français. Et on se retrouve donc juste derrière pour donner notre avis sur le film, enfin surtout le vôtre. Moi, je viens quasiment de le donner dans l'intégralité à la présentation, donc notre avis sur le film. Les critiques, les petites anecdotes, la petite histoire, comme d'habitude. À tout de suite. Vous savez. Me lo posso prendere? No! Allora questo me lo posso prendere?
È tutto il giorno che ti cerco. E il latte l'hai comprato? No. Il cinematografo! Il cinematografo! Io non c'entro. Tua moglie mi ha detto di portarti a mangiare. Dammi qua. Vai in vista di darmi ragione. Appena mi giro fai come ti pare. Toto! Ora lo dico pure al cassiere. Non devi alzare più nemmeno le zancine, hai capito? Alfredo! Uè! Ho provato il biglietto, devo vedere la pellicola. Tanti altri in paese lo sanno fare, l'operatore. Solo un cretino come me lo poteva fare. Da lì, un cinematografo! Un giorno avrai altre cose da fare. Altre cose. Più importanti. Voilà, on vient juste de finir de voir le film, moi comme je l'expliquais dans l'intro, j'ai quasiment tout dit sur le film, ça fait déjà quelques fois que je le vois, c'est la deuxième fois que je le vois en version longue, si je dois trouver un petit défaut au film, c'est que peut-être un peu, la version longue est peut-être un peu, mais forcément comme toutes les versions longues, enfin bien que, il y a des films qui se font appeler version longue pour 3 minutes de plus. Bon, ici, en réalité, on a presque une heure de supplément, donc... 40 minutes. 40 minutes, donc ça fait un peu quand même tirer en longueur. Mais bon, moi, j'ai tellement aimé ce film, tellement apprécié ce film que ces 40 minutes-là supplémentaires sont le bienvenu. C'est un film, comme je le dis, pour moi et beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler... est un film que l'on n'oublie pas une fois qu'on l'a découvert. C'est l'histoire d'une vie avec... t'explique quelque part que la vie est belle et bien triste en même temps. Là-dessus, on voit l'évolution du cinéma, des cinémas de quartier. On en parle souvent ici... surtout toi, Andrés, qui est jeune, qui n'a pas eu l'occasion de connaître ça. Tu vois dans ce film-là l'évolution du cinéma, les premières salles de cinéma que bien sûr je n'ai pas connues, mais bon, la télévision a commencé déjà à l'époque à tuer les cinémas de quartier. L'histoire se répète aujourd'hui avec Internet et Netflix et tout le bazar, quoi. Donc tu vois, c'est des cinémas de quartier, c'était des moments magiques, des moments formidables. Ça termine malheureusement, ben, comme dans le film, en parking, en supermarché. Donc franchement, aujourd'hui, l'important dans niveau avis du film, le plus important, c'est de savoir le vôtre, qui finalement l'avait découvert avec deux générations différentes, 20 et des, génération 26 ans, 52. Le double. Ça suffit. Oui, le double, c'est ça. Donc, voilà, et bizarrement, bon, je dis franchement, j'en ai pas parlé, j'en ai un peu parlé pendant le film et tout, et bizarrement, je pense que c'est l'ancienne génération qui a moins bien apprécié que la nouvelle, donc je te passe direct... Eric, qu'est-ce que tu en as pensé? Justement, comme tu dis, à ce moment pendant le film, tu me dis, et ça s'est amélioré après la première partie. Je trouve ça trop caricatural, trop cinéma italien. Après, ça s'améliore. Mais la première partie, c'est vraiment trop typé italien. Je comprends pourquoi. Tu m'as expliqué là tantôt en voyant que tu n'as jamais vu le film La vie est belle. Tu n'aimes pas l'humour... italien, c'est toujours trop exagéré, trop théâtral, tu veux dire, sans raison. Trop gestuel, trop... Mais pas nationaliste, mais trop... Non, pas du tout. Trop... Ce n'est pas naturel par moment. C'est une façon de car... Au moment de l'incendie, quand t'as le type là, qui se roule par terre, je comprends pas le pourquoi du comment. Bah. Et à partir de ce moment-là, à mes yeux, ça s'est amélioré. Après, ouais. Cela. Donc tu trouves le début avec le prêtre,
avec oui, vraiment, trop, et tout ce qui va avec. Trop typé, trop. Voilà, peut-être ce que t'as pas apprécié dans le film, c'est le côté l'humour, le côté parce que oui, tu as beaucoup de bons sentiments dans le film. Imagine ça, beaucoup d'amour fait, dans le film. Mais plus de l'amitié que de l'amour. Ouais, de la... Mais le côté humour italien qui passe de moi, ne te plaît pas, pas plus que ça. Que ce soit dans ce film-là ou dans un autre. Ouais, en général, ouais. Donc, tu n'es pas encore prêt à voir La vie est belle, moi, c'est. Et sinon, en général, si tu dois donner, sur le film, du début à la fin, la morale du film. La morale est géniale. Et l'histoire, ben oui, c'est une passion que deux hommes partagent de deux générations différentes. Mais j'aurais peut-être. Enfin, non, ça dépend de toi. Bon, toi, avec ta mémoire, évidemment. Tout dépend, voilà, 40 minutes. Peut-être que sans les 40 minutes, ça serait beaucoup mieux passé. Ouais, toi, tu... Il y a trop de détails pour toi. C'est souvent tiré à longueur. Oui, on les a vus, Un film sans action qui est prolongé de 40 minutes, tu te dis très souvent que les 40 minutes sont peut-être trop longues. Je ne l'ai pas vu sans les 40 minutes. Oui. Ben, on est d'accord. Moi, je peux t'assurer qu'il y a des passages supplémentaires en plus qui valent la peine. Je me demande si dans les 40 minutes supplémentaires, tu n'as quand même pas son retour dans le vieux cinéma. Et ça, moi, je trouve ça. Évidemment. Mais par exemple, une des scènes supplémentaires que moi, je trouve personnellement, c'est tout au début du film quand Toto, quand Salvatore est dans sa Mercedes et qui s'arrête à un feu rouge à Rome et qui a une bande de petits jeunes qui lui fait un doigt d'honneur là, que la gonzesse le regarde. Que regarde mal et tout. Ouais. Qu'ils accélèrent, ça franchement, moi, je vois pas pourquoi. Oui, voilà. Ça c'est vrai que ça, c'est 2-3 minutes en plus, mais je me demande, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a quelques scènes supplémentaires où il va sur. Et je me demande même, je saurais pas te dire parce que. Parce qu'un film sans action, même si l'histoire est belle, mais un film sans action qui passe de 2h à 2h50. C'était exactement, si mes souvenirs sont bons, c'était 2h04 qui durait. Et on passe à 2h50. Et donc, je ne sais pas vraiment te dire les scènes supplémentaires qu'ils ont mis en plus, parce que figure-toi que moi, j'ai vu ce film quand il est sorti au cinéma, et je ne l'ai plus revu jusqu'à il y a 5 ans où je l'ai vu en version longue. Mais j'avais tellement de beaux souvenirs de ce film-là que je me suis dit, la version longue à fond. Mais l'histoire est superbe, hein, mais moi je parle pas d'histoire d'amour. Bon, il a raté sa vie avec la femme qui aurait pu être la femme de sa vie, mais moi c'est plus de l'amitié que de l'amour. Ouais. Et mais toi, le départ, je le dis, je le répète, c'est trop caricature. C'est l'italien. La fête, c'est la petite comédie, c'est... La petite comédie qui devient une grosse comédie ridicule. Je vois des trucs, moi, par exemple, tu vois, c'est vraiment les Italiens, mais souvent, évidemment, je suis espagnol et mes parents me racontaient souvent que ces histoires-là de cinéma, quoi, c'est... tout le monde se réunissait à la salle de cinéma, notamment pour voir les informations, quoi. Oui, à l'époque, c'était une des meilleures façons de voir les infos. Donc, pas de la journée, mais condensé du mois passé. Et ça a commencé avec la guerre, de toute façon. Et vendre les chocolats, vendre les... Tout ça, c'était... Oui, mais dans le film, tu vois bien que le type, il en vend jamais, hein. Il est là assis comme tous les autres. Ils ont fait une caricature de l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Et peut-être que niveau cinéma italien, mais c'est quelque part c'est ça. Hein. Oui. Trop exagéré. La façon que la maman corrige l'enfant chaque fois qu'il fait une bêtise, les baffes et tout. Mais c'est vrai que c'est une caricature, mais c'était plus ou moins ça. Hein. C'est mamans méditerranéennes. Hein, ça gueule dans la rue. Tu sais, ça va pas se cacher dans la chambre, viens ici, mon fils, et dès que t'es... Je vais te dire de l'arrière, là, mais les corrections, je les ai aussi, hein. Tu vois, et j'adore aussi. Mais bon, on va passer la parole à Andrés. Toi, là, je t'ai vu pendant tout le film, toi, à première vue, malgré ton jeune âge, toi, t'as adoré début à la fin. J'ai adoré parce qu'il y a tout dedans, en fait. Ouais. Il y a tout. Il y a le fait de voir l'évolution d'un enfant... Qui vit de sa passion finalement, parce que par après il travaille pour le cinéma, quoi. Et les mauvaises aventures
où il rencontre l'amour. C'est la vie, hein. Voilà, c'est la vie à travers enfin là pour l'époque, mais même on a tous passé ici nous trois, je crois. On est tous tombés amoureux, on est tous tombés on a tous eu des passions à un moment donné qu'on a dû peut-être lâcher un peu prise vis-à-vis d'une meuf ou quoi que ce soit, ou la pression des parents. Voilà, la pression des parents, non, je veux pas qu'il fasse ça parce que voilà, enfin Il y a tout. Il y a la pression sociale aussi, qui est, à un moment donné, vers la fin, quand le, allez, celui qui a injecté du pognon, celui qui a refait le cinéma, lui aurait dit. Le Napolitain qui a gagné au loto. Au football. Ouais, au football. L'auto sportif. Toto calcio. Il dit, je peux pas vous tutoyer, mais je vous vois, quoi. Parce que vous êtes, voilà. Donc vous êtes devenu une personnalité. Ouais, vous êtes une personnalité. Non, j'ai bien aimé parce qu'il y a tout dedans en fait. Il y a de l'amitié, de l'amour, de la déception de vis-à-vis d'un qu'il soit tombé amoureux. Il y a aussi la famille puisque en fin de compte il part, il laisse son nid familial, sa sœur, sa maman. Comme nos parents, on a tous fait à un moment donné. À part que je pars. Oui, lui il part et il revient plus. Oui, il revient plus, mais il a plus de contact presque. Oui, mais voilà. Il sous-entend que sur les 25 ans qu'il s'est marié, sa mère est morte. 30 ans. Ouais, il 25, a dit plus de 25. Donc, plus de 25, donc, 25 27, oui, 28. Okay, okay. Mais il sous-entend que pour se rencontrer, sa mère est montée 4 fois à Rome pour le voir. Ouais. Voilà. Ça, c'est plus quitter le nid familial, ça. Non, ça, c'est vraiment. C'est couper tous les cordons. Mais après ce qu'il a vécu, on va dire. Ben, c'est pas la faute de sa mère. Mais c'est une question de mentalité. C'est la vérité. C'est les vieilles mamans méditerranéennes. Même pas, je peux pas dire ma mère à moi, mais par exemple, mes grands-parents, eux, c'était comme ça, quoi. Boum, il y a un proverbe qui disait là-bas, celui qui se marie choisit sa vie et quitte le domicile. Faut pas être mal déterminé pour ça. Et en 25 ans, je vais te voir, tu pars à l'étranger, parce que bon, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, enfin, lui, part en quelle année de là-bas dans les années 50-60, non il a grosso modo 10 ans, 46. Il part, il a 20 ans. Qui correspond parfaitement, que je te posais la question, les premiers arrivés, les premiers immigrés. Italiens, en Belgique. Là, en l'occurrence, ils partent en Allemagne. Ici, il part juste à Rome, hein. Il quitte pas le pays, hein. Tu prends, ici, on vient de voir un film italien, et nous, qu'on habite Bruxelles, on en parlait encore justement hier, je pense. Tu prends l'immigration italienne, et on en parlait. C'est des gens qui quittent le pays et qui ne retournent plus chez eux. Ouais. Hein. On parlait de ça. Ils retournent plus chez eux. Hein. Et la vieille grand-mère, ben, ça m'étonne pas, quoi, que la vieille grand-mère, elle va aller voir 4-5 fois. C'est une mentalité tout à fait différente. S'ils partent en Belgique à 20-22 ans pour travailler et qu'ils travaillent 40 ans, la famille, en Italie, il n'y en a plus. Non, c'est vrai, j'ai connu beaucoup d'Italiens dans ma vie. Tu pars 10 ans, tu pars 15 ans. Mais là, on parle 40 ans. Autant je connaissais beaucoup d'Espagnols et ils avaient tous un petit nid, une petite maison en Espagne. Les parents avaient une petite maison en Espagne. Autant je connaissais beaucoup d'Italiens et aucun d'entre eux n'avait investi dans la brique là-bas, c'était directement arrivé en Bruxelles. Et tu le vois ici à Bruxelles, une partie de la Belgique, c'est italien, quoi. Ils ont investi là-dessus, mais je te rejoins dans le sens que c'est un film qui retrace l'histoire de la vie, quelque part, de A à Z, l'histoire des cinémas de quartier, des cinémas de village, l'évolution du cinéma. C'est magnifique de regarder ce film et de voir, au fur et à mesure, voir l'évolution du cinéma et en même temps du temps qui passe, tu vois, et à un moment donné... Est-ce qu'on a vu le cinéma en couleur, là, à un moment donné, non? Ou pas? Un film. Allez. Quelque chose, hein. Ulysse contre le Cyclope. Ouais, Ulysse contre les Cyclopes. Après, voilà, il part et on... Mais il part à un moment donné. Ouais, il parle de la télé aussi. Voilà, les pellicules. Les gens ne viennent plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Il parle de la télé, mais on n'en voit pas. Mais en même temps,
Le cinéma est toujours là, on va dire. Ça, il résiste, comme on dit. Il résiste jusqu'au moment où il ne sait plus résister. Voilà, c'est ça. Qui lui dit, ouais. Ouais, parce que quand il revient, il dit qu'il y a 6 ans que ça a été fermé. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Et que 6 ans que le cinéma est fermé. Alors que lui. Dans une grande ville, hein. Non, voilà, un petit village. Il précise pas, justement. Bon, on se dit que c'est petit. 6 ans, c'est pas. C'est pas énorme, hein. En effet. Mais on voit bien que vers la fin, il y avait. Pas que des films, pour tout le monde, tout public. Mm-hmm. Il y avait des films érotiques qui étaient passés dedans. Tu vois, à la fin, vous voyez l'affiche. Voilà, une des dernières. Ils ont fini par passer à un film érotique, quoi. En gros, le cinéma a évolué dans tous les sens. Dans l'histoire du film, moi, ce que je trouve un peu dommage, surtout sur une durée pareille, c'est que voilà, il devient metteur en scène. Est-ce que c'est parce qu'il a été projectionniste ou ça, bon, on le devine, on s'en doute. On ne voit pas l'évolution dans son job, voilà. Dans son milieu. Tu vois, on prolonge un peu trop le début pour pas approfondir les 25 dernières années. On va dire qu'on devine, puisqu'il c'est... C'est pour ça que je parle plus d'une histoire d'amitié que... Amitié, il y a un peu de tout, en fait. Amour, il y a de l'amour. Mais si ça, c'est pas de l'amour, de tomber amoureux d'une femme et de revenir 30 ans après et ne penser qu'à elle et la rechercher, tu rigoles, quoi. Ouais, mais il a dormi tous les jours avec une autre pendant ce temps. Ouais, mais ça, c'est le sexe. Ça, c'est autre chose. Amoureux, il a été amoureux de cette femme-là. Et de quelle façon? 30 ans après, avec la quantité de billets que tu as en poche, tu roules en Mercedes. 30 ans après, tu retournes dans ton village d'enfance. Et ça te fait encore quelque chose? C'est chercher à essayer de retrouver cette femme. Quoi. Non, c'est parce qu'il voit la fille. Ouais, mais quelque part. Il pensait toujours. Ouais. Pour qu'il ait encore les pellicules. Ouais. Ah, voilà, tu vois. Ouais, c'est pas lui qui les a, les pellicules. Sa maman ou sa. Ouais, mais dans le. Non, c'est la femme de Noiret. La femme de Noiret, la. La femme du projectionniste, quoi. Ouais. Mais non, c'est amour, mais un amour. Et bien souvent. Et on le sent bien à la fin quand il s'explique dans le port. Enfin, il revient là-bas par amitié, pas par amour. Hein. Non, il revient là-bas pour l'enterrement. Pour l'enterrement. C'est par amitié, pour l'amour. D'accord, mais tu. Mais en même temps. Le gars, il a jamais. Mais tout revient en force puisque. Ah oui. C'est ce qu'on appelle l'amour impossible et qui se joue sur un tout petit détail. Mais je vais pas revenir sur la vie personnelle de chacun ici parce que pour vous, ça reste quand même personnel. Quelque part, on peut pas tout. Mais c'est vrai que souvent, ça se joue sur un tout petit détail qui aurait pu changer tout le truc. Hein, mais là, ça a foiré rien à cause d'une histoire de classe sociale. Hein. Bien sûr, hein. Pour finalement... Le père, il voulait pas se marier avec l'âme du village, 5x5, combien ça fait t'es 40 bien, t'es ça pas fait assez, Noël. T'es pas assez bien pour ma fille, et c'est vrai qu'à l'arrivée, tu vois qu'il est avec l'autre. Et que finalement, elle aurait... Elle a mis du temps quand même, Brigitte Fossé, à sortir. Oui, parce que tu le vois dans le générique. Et tu te dis, mais où est-ce qu'elle reste? Où est-ce qu'elle reste? À la fin, elle fait... Personnellement, pour moi, voilà, film italien et caricature italienne, ils se caricaturent eux-mêmes. Mais le bon du film, c'est, voilà, Noiret, lui, Fossé. Moi, j'aimais bien le petit village. Ouais, il est très, très... Mais il n'est pas si petit, justement. Ouais, mais il ouais, mais il a un charme. Le napolitain, moi, il me tue. Mais c'est les autres qui le tuent lui-même. Lui, il fait rien, le pauvre. Il s'endort. C'est les autres qui n'arrêtent pas de tuer le napolitain. Le petit Toto, il est adorable. Exagéré, quoi, le gamin. Ah non, il est pas adorable. C'est un petit diable plutôt. Il est très éveillé, touche à tout. Ouais, je veux savoir comment ça fonctionne, je veux ci, je veux ça. Même à l'école, t'as vu, c'est pas un âne, quoi, comme c'est pas un cancre. Comme on dit en français, tout c'est pas un cancre. Franchement, je retrouve ce qu'on m'a raconté à l'époque, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes grands-parents, j'ai pas tellement connu, mais vis-à-vis de mes parents quand on me racontait ce qu'était l'école, la quantité d'analphabètes qu'il y avait, et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens suivaient pas l'école, c'est tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un truc impossible. Mais moi, j'ai connu des membres de ma famille directement, mais j'ai connu des
Monsieur, des très proches de ma famille, proche. Était analphabète. Bah, le projectionniste, il le dit lui-même. Hein. Ouais. J'ai commencé à travailler à 10 ans. À 10 ans. Ouais. Forcément, t'es pas encore lettré. Et alors, il t'explique aussi que le métier de projectionniste, c'est pas facile, quoi. Tu gagnais pas des masses. Ouais. Et c'est dangereux, quoi. T'imagines comment... À l'époque. À l'époque, ça va être clair, hein, parce que... C'est fou, quoi. Quand t'entends le gars, ils auraient pu faire le film style, ouais, tu sais, le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus beau. La projection, c'est s'évader dans un rêve. Mais le gamin devait tourner la manivelle toute la journée. C'est bosser, quoi. Oui. Bosser. Faire attention que ça crame pas. Les bobines. Franchement, c'est... C'est artisanal. Enfin, à son époque, ça devait être très artisanal. Tu te débrouilles avec les moyens du bord et. Et surtout tout seul. Il faut aimer. C'est comme la boulangerie. Parce que quand tu vois, c'est très manuel. Voilà. C'est très dur physiquement, mais si t'aimes pas ça, tu sais pas faire ça. J'ai adoré ce que je faisais. Voilà, je voudrais pas recommencer une semaine. J'ai adoré ce que je faisais. Mais là, le gamin, moi, franchement, c'est, évidemment, c'est pas de mon époque, tout ça. Mais j'ai connu ce genre d'ambiance dans les cinémas à notre façon, quoi. C'était quand même beaucoup plus civilisé qu'à l'époque. Mais j'ai connu, évidemment, c'est cette ambiance-là. Faut pas déconner, quoi. Mais t'as connu le cinéma de quartier comme à l'époque? Enfin, j'ai connu... Un cinéma de quartier un peu plus évolué, mais toujours familial. C'est ça que tu veux dire. C'était le nom. On se levait le matin. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait même pas d'affiches publicitaires dans les murs du quartier. Ouais. Fallait carrément descendre jusqu'au cinéma. Et là, il y avait un couloir où il y avait le carreau et on voyait toutes les affiches. Et avec une épingle, là, comme un paf, voilà, telle date, et directement, on se passait le mot, hein, qu'est-ce qu'il y a, ouais, toi, t'as un vélo, ouais, nous, on va shotter ici au ballon, on va avec ton vélo, voir et va voir les nouveautés qu'il y a. Le gars, une fois c'était moi, une fois c'était un autre, il avait le vélo, hop, il regardait, il revenait, ouais, il passe tel film, ouais, voilà, tout le quartier était au courant, descendait tous là. Vous alliez toujours en vente, en fait. Moi, j'allais tout le temps avec les copains. Tout au début. C'est la première fois qu'il le dit. Tout au début avec ma mère. Et puis par après, j'ai commencé à grandir et j'allais, enfin, avec ma mère et mon frère. Et puis c'était mon frère, mes cousins qui habitaient Jette, qui venaient chez moi à la maison le dimanche pour profiter ou du movie ou du football. Et enfin, le movie, c'était le nom du cinéma. Ah ouais, tout à fait. Et on allait là, et puis les gars du quartier, je me souviens d'avoir vu un film avec une dizaine de gars du quartier, sans exagérer. En l'occurrence, c'était le film « À nous la victoire ». Le football, là. Le football, « À nous la victoire », on était une dizaine au cinéma, quoi. Oh, ça faisait quelque chose. Et sinon, il y en avait toujours deux, trois qui venaient avec nous. La maman demandait l'autorisation Vous avez quel âge, enfin, tranche d'âge de... J'avais peut-être, à l'époque, mon frère avait 5 ans de plus, donc lui, il traînait sur les 13-14 ans. Oh, des enfants, gamins, quoi. Et voilà, mais on demandait, la maman du gamin, ouais, je peux laisser ton fils, ouais, laisse-le. T'as quoi, l'enseignance de 14h30, alors? Ah, oh, ouais, ouais, le dimanche, c'était 14h30. Non, le dimanche, c'était 14h30. Tu vois, on sortait, ouais. Je me souviens. Moi, j'ai pas connu je me souviens qu'en hiver. Et la séance du soir, c'était 19, hein. Mais là, on pouvait pas aller, hein. Ah non, c'était déjà trop tard, il faut arrêter. C'était le dimanche à 14h30, je pense, ou à 15h. Non, on regardait le film. Et quand on sortait, il faisait nuit, il fallait vite remonter à la maison. En hiver, à la quatrième vitesse. Et on était bizarrement, rarement, mais très rarement, on a été là-bas voir un film. Parce que c'était... il faisait trop beau et c'était football. Tu vas me crucifier, mais moi, je suis de la génération Internet, quoi. Directement Internet. On voit dans quel état ça vous met. Ouais, mais on va dire que les 5 premières années de à partir de 10 ans jusqu'à mes 15 ans, les 5 premières années, c'est au vidéoclub, quoi. Ouais. Ça, c'était autre chose. Mais aller demander, ouais, tu as le film ou pas, ouais, non, ça a été tout pris. Les nouveautés, toujours pris, quoi. Mais quelque part, comme dans ce film ici, j'ai connu cette ambiance-là, la salle qui rigolait pour un oui ou un non. La grosse rigolade, les...
ça. Ouais, les petits, les petits sifflements là qu'il faut. On voyait une fille. Je me souviens d'un film la Fureur du Dragon où il y a où il y a à un moment donné une prostituée italienne à Rome qui sort torse nu pendant que lui s'échauffe. Ah ça j'ai raté par contre. Pourtant j'ai bien bougé hein. Et là c'était coupé à quel moment? Bah oui c'est ça c'est ce que j'allais lui dire moi je me rappelle même pas. Si si le gars il est assis et il y a une fille qui lui fait de l'œil. C'est bon il propose un truc et il a la réaction longue toi. Maintenant qu'il me fait, il lui propose et il dit non à tout du genre, il s'entraîne, il conduit. Et il y a la jeune chinoise qui le regarde à mauvais air, comme on dit, qu'est-ce qu'il fait à la regarder comme ça. Ah, ça, ouais. Je me rappelle. Et puis, elle l'amène dans sa chambre et lui, il est occupé à s'échauffer, comme ça, il est dans son monde et elle sort torse nu, il a peur, il part en courant. Et ben, quand on la voit torse nu, là, c'est le scandale, quoi. C'est et le projectionniste qui gueulait dans haut, encore eu un bazar comme ça, j'évacue la salle. C'était bon enfant, quoi. Mais bon, là, ici, c'est... On les entend quand même. Et c'était pas des enfants, c'était des adultes. Mais nous, moi, ça devait être une pas limitation comparé à ça. Oui, tu t'imagines que toutes les générations avaient rendez-vous au cinéma, ils n'avaient rien d'autre à foutre. C'était la seule. Il n'y avait pas de télé, il y avait la seule animation qu'il y avait. C'est ça justement que je regarde. Oui, mais c'est ça un peu. C'est distraction, tu veux dire. Oui, mais c'est ça que je regardais un peu dans le film. Par moment, tu te dis, tiens, oui, il est projectionniste, mais voilà, il fait ça un dimanche sur deux ou tout ce que tu veux. Et par moment, tu te dis qu'il fait ça toute l'année. Et puis il travaille la terre. Et ça dérange un peu pour la raison. Enfin, moi, personnellement. Pour la période et tout, que le mec, il te fait 3 projections par jour. Entre parenthèses, dans le village, je reste persuadé que c'est quand même un gros village. Mais un village qui est. Mais tu sais pas trop, en fait. Imaginaire, parce qu'il n'existe pas. Non, ah, il n'existe pas. Je croyais que c'était. Autobiographique, mais. C'est une fiction. Le village. Ce village-là n'existe pas. Le village est tourné en fait c'est en Sicile. En Sicile, oui, ça on a compris. Ouais. Mais je veux dire, c'était pas autobiographique. Comment est-ce qu'on dit C'est pas basé sur un fait réel. Non. Oui, mais non, mais ça porte un nom, ça, dans le cinéma. C'est biopic, c'est ça. Biopic. Non. C'est pas biopic, celui-là. C'est comme cela qu'on appelle biopic. Le réalisateur qui a fait. Un peu mélange, on va dire, c'est pas biopic du tout, quoi. Ça, c'est une des choses mal expliquées dans le film. Est-ce que le mec, parce qu'on le dit, on le répète, c'est un village. Ouais. Et quoi, le mec, il projette des films, 3 films par jour, tous les jours de la semaine. Écoute, on peut pas non plus dire non. Tout faire. Non. Mais on comprend que le mec, c'était un projectionniste. Pour te donner une idée, un cinéma de quartier. À mon époque, à moi, n'était pas capable de projeter des films toute la journée. Non, pour ça, il y avait les grands cinémas de la capitale, hein. Les grandes salles de cinéma, le cinéma de si mes souvenirs sont bons, la Fosse d'Or, ils projetaient le film le dimanche, et c'était, je pense que c'était franchement là où ils se faisaient sa recette. Parce que c'était le cinéma, comme on l'appelait, enfant admis. Ouais. Puis tu avais le jeudi. Familial, quoi. Enfant admis. On mettait des films où les enfants pouvaient venir. Le jeudi, c'était cinéma d'adultes. T'entends pas un film, mais c'était, film d'horreur, film érotique. Un peu. Emmanuel tapait à crever et, c'était la fameuse époque où, le film Emmanuel, il y avait des films un peu érotiques, films d'horreur. Et je me demande s'ils faisaient pas lundi, jeudi et dimanche. Mais je suis sûr et certain, jamais tous les jours, quoi. Non. Jamais tous les jours. Et là, c'est le flou qui me dérange. Un des flous qui me dérange. Ben, dans le film, c'est un des flous qui me dérange. Un des flous, ouais. Que tu sais pas. Non, moi, à mon avis, c'est... Je fais avec, hein. À mon avis, c'était, je pense, ben, ça, il faudrait demander à des gens d'un autre âge, d'une autre époque que la nôtre.
mais je pense que ça devait être facilement fin de la semaine, vendredi. Ouais, samedi, pendant dimanche, le week-end, ou un truc du genre, genre du, à partir de vendredi c'était jusqu'à... C'était des gens qui travaillaient à la terre, qui dimanche, étaient dans la merde jusqu'au coup. Et puis il fallait payer, t'as bien... Faut pas oublier. Ouais, ouais, il devait payer, ouais, ouais, c'est vrai. Le début, on parle de 46, 47. Moi, je trouve qu'une séance par semaine, c'était déjà chapeau. Et là, justement, on n'est pas fixé. Parce qu'à un certain moment... Ils ont l'air de dire que c'est vraiment son métier à plein temps, malgré qu'on le voit bêcher la terre, mais la façon dont il explique, voilà, j'ai commencé à 10 ans, à part le vendredi saint, parce qu'on a crucifié le Christ ce jour-là, tu travailles à Noël, tu travailles à la nouvelle année, tu travailles ici, tu travailles là, tu te dis, mire, il y a une projection tous les jours. Mais peut-être... Et puis ça aussi, ça m'étonnerait que chez les Italiens ça change, mais moi quand j'étais tout petit, je me souviens qu'en Espagne, et bon, l'Espagne et l'Italie, ça... En Espagne, le soir de Noël, c'était une soirée familiale et à partir de... Tout était fermé. Hein. Ah ben oui. Le réveillon de Noël, hein, le 24 décembre. Et le lendemain, bien entendu aussi. Fermé. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Hein. Ah ben parce que je me souviens d'avoir passé un nouvel an en Espagne en 2008 ou en 2009 et à ma grande surprise... Les magasins étaient ouverts ou quoi? Les discothèques, ouais, parce qu'il y a un moment donné, j'étais avec ma famille, écoute, on va boire un verre, je sais pas où, là, c'est fermé, c'est le 24 décembre. Donc, quand le gars, il dit aussi, genre, à travailler de Noël et tout, patati, patata. Tu vois, du coup, tu te dis, on a 46, 47, 48, et il projette tous les jours. Ça ne correspond pas. Non, mais il est pas à Rome, il n'est pas à Milan, il n'est pas... Oui, il est là où il est. Il est là où il est. Un petit village pour lui, mais c'est une fiction. Tu vois, c'est... Oui, mais justement, c'est un point qui me gratte. Moi, je pense que le gros point négatif de ce film-là, pour moi, certaines personnes qui maîtrisent l'anglais me le disent depuis des lustres, mais ici, je viens de le remarquer à 200%. C'est franchement, ça, c'est le genre de film à voir en version originale sous-titrée. En italien, quoi. En italien. Ici, sur YouTube, les gens le verront. Et tu vois, la différence. La voix, c'est magnifique. Les expressions. Comment il s'appelait encore le projectionniste dans le film? Alfredo, va te faire foutre. Mais tu sais, Alfredo, va faire foutre. Mais en français, justement, ils emploient des expressions très françaises aussi. Mais quand tu vois les Italiens parlent souvent, ils les mêmes. Ouais. Très gestuel. Mais qu'est-ce que tu as fait, mais tu entends ça en italien, tu pleures, quoi. C'est vraiment du... T'as les nerfs et tout, et la mère, quand elle le frappe et tout. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et en italien, ça doit gueuler, franchement, d'ici. C'est justement un des points faibles du film, je trouve, le bruitage. Le bruitage? Oui, on voit bien que ça a été traduit. J'ai l'impression aussi que ce film est pas très bien doublé, quoi. C'est dommage de devoir le revoir et de perdre la voix originale, parce que je suppose que Philippe Noiret ne parle pas italien, quoi. Avec sa voix, je sais que c'est quelqu'un qui a doublé ou lui-même parle en italien, je sais pas. Je devrais revoir ce film. Mais à la rigueur, lui, comme Ventura, je crois qu'il savait parler l'italien. Mais Fossé et l'autre. Tu m'avais dit, allez, t'avais un coffret avec le prêtre, là, comment il s'appelle, merde? Il s'appelle Fernandel. Fernandel. Ouais, le prêtre. Il s'appelle Fernandel. Moi, je suis pas fan de Fernandel. Il s'appelle Fernandel. Quel âge j'ai, quoi, 26 ans, bordel. Il s'appelle Fernandel. Fernandel. Quand tu m'avais dit qu'il avait fait la voix off et qu'il parlait en même temps. C'est un film italien. Et qu'il avait fait aussi la voix off, tu m'avais dit un truc genre. Bien sûr. Quand il avait dit qu'il portait la croix, il me dit si tu savais à quel point elle pèse, tu avais vu. Mais Fernandel, le charme que ça a, c'est que tous ces films-là doublés, tout, même celui-là, c'est que tu as toute cette bande-là, ils parlent tous marseillais, tu pleures, quoi. C'est pas plus mal. Mais ici, quand je te vois ces Italiens, gesticuler avec les mains. Les bruitages, les pas, les quand ils roulent par terre, les baffes, les... Le doublage n'est pas... Tu entends bien. Pour il l'a précisé avant, pour un Oscar et un Golden Globe quand même, hein.
Comme meilleur de 88, hein. Mais là, ce qu'on apprécie, c'est la profondeur qu'il y a eu dans le. C'est l'histoire même. Dans l'histoire même. Voilà, c'est l'histoire même. Ça a été. Oui. Réfléchi, travaillé. Moi, je sais pas, je connais pas le. Ça tape dans. Le réalisateur. Et ça tape dans partout, tu vois. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois adolescent, ça tape partout, quoi. Ça tape partout. Je sais plus où j'ai le boîtier maintenant. Je sais pas si je l'ai mis là, hein. Non, non. Non, l'Oreo, je le vois pas prêt. Mais, non, non. Et alors, le clin d'œil que, par après, en regardant ce film-là, par après, certains films du, enfin, certains films ont rendu à Cinéma Paradiso. Tu peux me dire, je sais pas, moi, ben je suis déjà dans Cinéma Paradiso pour le moment, hein, parce que je viens de le voir. Donc, sûrement, une comédie bébête des années 80-90, Le Bourreau des Cœurs, avec Aldo Macione, où il joue le... Mais justement, est-ce qu'il n'est pas joué avant, celui-là, déjà 88, hein, le gars, le Cinéma Paradiso, 88. Va t'en savoir, c'est pas con ce que tu dis. Hey, attends, que... je vais vite vous mettre les points sur les i. Parce que... Ce film-là s'appelait Le Bourreau des Cœurs. Ouais, je vais le... Ouais, ça peut être, parce que tu vois le petit gamin qui vend ses chocolats et finalement, qui au lieu de continuer à vendre, reste assis pour, regarder le film. Ouais, c'est possible que... Attends, Le Bourreau des Cœurs, hop là. Il date de quand ce film, Le Bourreau des Cœurs? Aldo, enfin, je vais mettre Aldo. Ah. Excuse-moi. Ouais. Pendant que je fais la recherche, tu peux continuer à parler, excuse-moi. Mmh. Non, mais là, ça me rappelait aussi. J'ai vu ce film-là, je dis waouh, c'est franchement ce petit gamin qui est fan de cinéma, qui rêve et qui bon finalement devient un grand acteur de cinéma. C'est vrai que quand tu regardes, le film n'est pas si, enfin ouais, déjà on va dire 30 ans, c'est pas si vieux. Ouais. Je sais pas quoi. C'est quand même vieux. L'autre aussi avec le billet d'or, mais ça c'est une super production américaine, boostée à la testostérone, les muscles, Schwarzenegger. Ah oui, avec son... Last Action Hero avec le billet magique. Aussi, c'est le gamin qui est fan de cinéma. Et... Mais c'est à ça, quand moi j'ai vu le résumé du film, la première chose qui m'a frappé, c'est j'ai pensé à ça. Mm-hmm. Donc tu vois que je suis pas le seul. C'est vraiment moi franchement je trouve que c'est un film 1983 alors va t'en savoir si notre ami italien ici ne s'est pas lui inspiré de ça parce que c'est Aldo qui l'a appelé. Fais gaffe quoi, parce que le petit gamin fan de cinéma qui grandit dans ce cinéma de quartier à vendre des chocolats. Sa mère qui paye des amendes parce que le gamin, plutôt que de vendre des chocolats, le gamin s'asseyait voir le film et bouffait tout, qui rêvait de devenir acteur et finalement qui devient, ben bon, évidemment, on peut pas comparer un film et l'autre, quoi. Non, c'est incomparable. Mais, tu vois, et Last Action Hero, lui aussi, je pense que c'est, c'est peut-être un peu plus tard. Lui. Ça, non, enfin, bien que, ouais, début 90. Ouais, dans les mêmes. Ça, c'est après, début 90. Ouais, mais bon, de toute façon. C'est pas avant. Il doit y en avoir d'autres, mais ici, je pense que c'est franchement, moi, c'est le plus beau film que j'ai vu niveau, hommage au cinéma de quartier, au village, à l'évolution de ces petits cinémas, j'ai pas envie de dévier sur un autre sujet, mais voilà. Non, on le fait pas. On le fait pas, mais c'est en tant que on a vécu quelques petites expériences. On a vécu quelques petits moments, on va dire. De projectionner sans aucun danger avec tout le confort d'un vidéoprojecteur comme ici derrière. Pas celui-là, mais l'autre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils le disent ici dans le film aussi, il fait, tu es là derrière ton projo, tu lances ton film, tu entends ces gens rire, tu entends ces gens applaudir et on dirait rigoler, que c'est toi qui les fais rire, voilà, c'est ça. Et que c'est à toi qu'ils applaudissent. Au début, franchement, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à toute petite échelle, bien que quand tu vois la salle dans le film et celle que nous on a faite, l'autre est encore plus luxueuse. Ouais, encore un peu plus mieux. Bien que le fameux lion, là. Mais moi, ce que j'adore, c'est que voilà,
Hein, c'est le curé qui organise ça. Mmh. Moi, à ce moment. Ouais, c'est malgré, dans l'église ou pas? Malgré parce qu'il y a voit, une statue de la Vierge. Oui, hein. Malgré qu'on voit que c'est le cinéma, cinéma Paradiso. Désolé, t'as presque l'impression de voir l'hôtel, là, et tu te dis, mais enfin, c'est. La Vierge Marie qui va te. C'est le. Ouais. C'est le cinéma qui devient l'église. Ouais. Non, c'est ce que j'avais demandé, mais non, mais c'est deux salles différentes. Non, ça serait impossible, impossible qu'à cette époque-là, on appelle la maison de Dieu le cinéma. Ça, c'est après, clair. On peut jouer les mots cinéma paradis, le cinéma du paradis. Ouais, le cinéma du paradis, oui. Mais je pense qu'ils ont juste mis une statue de la Vierge parce que c'est tellement catholique qu'il y a des statues, il y en a partout, quoi. C'est vrai. Surtout en Italie ou en Espagne, c'est pareil. Au début, très catholique, au début, très quand catholique, il est avec quoi. Son enfant de cœur et qu'il énerve et patati, bon, il se déshabille, et puis il est directement dans la salle. Hein. C'est ça, ouais. Ah, c'est vrai. Enfin, peut-être que c'est là qu'il faisait les coupures, tout simplement, mais j'en sais rien, je dis plus rien, mais bon. Non, mais c'est de nouveau un flou. Oui. Ou alors c'était peut-être une salle qui servait pour tout, comme les réunions du Parti communiste, ouais, voilà, les réunions. Les réunions de l'église, le cinéma. Quand, comme on dit, la maison du peuple, à Saint-Gilles. Ben, pour reparler de Fernandel, pour le même prix, c'est vrai que les cocos se réunissaient dans l'église. Hein. C'est parce que Fernandel ne voulait pas, mais c'était la même pièce. Mais c'est très ambigu de nouveau. Ben, ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai très ça m'a cassé, ça a mis ce film dans mon top 10, comme on dit. J'ai beaucoup aimé. Tu fais partie de ceux aussi j'ai qui beaucoup disent, aimé, ça m'a. Tu ne verras plus, allez, tu. Voilà, je verrai plus un film ici ou quoi que ce, ou n'importe où de la même façon de la même façon, quoi. Ouais, t'oublieras jamais ce. Voilà, c'est ça. C'est le genre de film qu'on n'oublie jamais. Et souvent, on parle des remakes avec la quantité de pognon qu'on a, la qualité, tu vois, même avec les bruits de fond, le bruitage catastrophique. La doublure. Cette doublure dramatique. Ah, là, parce que la version française, moi, je sais pas que je parle italien, mais je maîtrise un peu, je comprends. On comprend. Et quand tu vois ce doublage. Ouais. Mais c'est le genre de film que tu. Tu dirais un film de 30 ans avant, quoi. Ouais. Mais ça, c'est peut-être fait exprès aussi, hein. Même alors qu'il l'explique. Non, 40 ans, parce que là, c'était 88. Ça se passait le film commence dans 50, les années, le film 50, commence en 45, 46. Okay, et voilà. Quelque part, bon, bah, il s'essaye, fais gaffe, hein, il y a des réalisateurs tellement fous que, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder un film, j'ai putain, l'image est merdique à fond, mais c'est selon la volonté du réalisateur. Qui veut que ça soit la pellicule. Le plus, écoute, faut pas aller loin, tu regardes la liste Schindler, Spielberg, je veux que ce film-là soit en noir et blanc, quoi. Oui, mais il te le dit. Il te l'explique. Voilà, quoi, c'est chacun, a sa vision des trucs. Mais je veux dire, c'est le genre de film que le temps passe et souvent je te l'explique et on en a discuté souvent, toi et moi, Mais écoute, il y a des films que tu ne sais plus doubler. Ouais, mais arrête, avec tout le pognon. C'est pas quand c'est pas ce genre de film-là. On sait pas changer. Changer quoi que ce soit une virgule ou un point. Non, pas doubler. Je veux dire, c'est moi qui me signe goût. C'est un remake. Il y a des films que tu ne sais pas faire. Ça sert à rien de faire des remakes. Malgré que tu aies le pognon que tu veux, le matos, la technologie, tu ne peux pas. Il y a des films, comme le film de ce soir, c'est noiré, quoi. Sa voix, c'est sa voix, ses gestes, c'est ses gestes. Le petit gamin, exceptionnel dans... Attends, coupe. C'est noiré, avec son... Non, quand il a la gueule de la voix. Quand tu vois noiré, c'est une présence, c'est une voix, c'est... La musique, c'est Ennio Morricone. C'est grandiose, quoi. C'est des choses qui, boum, voilà, le film est là. Déguste-le. Ouais. Et comme je le dis souvent, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans nos soirées ici, un grand film n'a pas besoin d'être... Refait. Il faut pas faire de remake. Voilà, un grand film, ça, c'est pas le grand film qui décide. Un grand film, c'est pour la vie, quoi. Quand un film est bon, c'est pour toujours, quoi. Petite parenthèse, des films inchangeables qu'on a vu, qu'on a grandi avec. Bêtement, on a notre ami Rambo. Rocky, Rambo, tous les Terminator, enfin, tous les classiques. Pas pour vous, pas pour moi, c'est des classiques, pour vous pas peut-être, mais pour moi, c'est des classiques.
Le Seigneur des Anneaux, quoi encore, qu'est-ce qu'on pouvait... Les Star Wars, la version originale. Oh, bien sûr. C'est des trucs où on, moi, je pense qu'on peut pas changer. Enfin, quand un film... Écoute, quand un film est bien fait, voilà, pour moi, comme le film de ce soir... Et intemporel. Ce film est immortel. Voilà, c'est ça. C'est pour le restant des jours. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu sais, mon papa a aujourd'hui 83 ans, moi j'en ai 47, et mes enfants... 18 papa, et 15. Bah, 18 et 15. Mon papa adorait Lutunès, il comprenait rien à la langue française, mais... fallait lui mettre Lutunès, boum. Moi, Lutunès, il est là. On rigole toujours, ouais. Et mes enfants adorent. Et tous, je crois. Et tu vas mettre un Poulvord, ou tu vas mettre qui tu veux, C'est intemporel, voilà, c'est ça qu'il veut dire. Faire un remake de... Stallone a eu l'audace de faire ça. Oui, Oscar. L'embrouiller dans le sac, Oscar. S'il vous plaît, quoi. Oscar. T'as des plus beaux muscles. Parfois, le cinéma devrait pas y toucher. Non. C'est ridicule de le faire. Ouais, parce qu'on en parlait la dernière fois. Enfin, pas la dernière fois, mais avec Amityville, L'Exorciste, les suites, ou Terminator, quand on parle de Terminator une chose, 4 et compagnie. Dire, on va faire un remake pour se faire du pognon. Voilà. Et ça, c'est possible. Mais on va faire un remake pour... Détrôner l'original. Ouais, voilà, c'est ça. Va-t'en savoir l'original que tu touches. Ouais. Les 10 commandements, c'est pour toujours. Ben-Hur, c'est pour toujours. Tu en as parlé beaucoup, Ben-Hur. Ce genre de film qu'on a vu ce soir, non, c'est pour toujours. C'est pas possible. Et-il extraterrestre, ouais, mais il nous ferait. Un remake d'E.T. extraterrestre, c'est impensable, c'est impensable. Non. Il y a Elliot, il y a sa sœur. La musique, tout fait que les souvenirs, le succès qu'il a eu, ce qu'il a engendré, c'est comme ça. Et voilà, moi c'est le genre de film que... On ne ferait pas de remake ou quoi que ce soit, quoi. Non, c'est un film, c'est intouchable, le temps passe. Et je te dis, j'insiste, c'est le style, c'est le film... Tous les gens à qui j'ai parlé, chaque fois que je parlais de Cinéma Paradiso, oh mon Dieu que c'est beau. Il n'y en a pas un qui m'a dit, putain, c'est chiant, ça, moi, Cinéma Paradiso, franchement, ça m'a fait chier. Même les mecs les plus durs et les plus, le film romantique, rien à foutre. C'est pas ça romantique, moi. Non. Ah, justement, ça touche toutes les générations. Oui, c'est... Ça touche à tout, ça va de l'enfance à l'âge adulte, ouais. Même plus, quoi, tu vois. Niveau cinéma, ça te montre l'évolution du cinéma en lui-même, des salles. Tu vois, pour le cinéphile, que je ne peux même pas me comparer, mais tu prends un vrai cinéphile, parce que moi, je suis encore un petit jeunet. Mais t'as vu la quantité d'extraits de films que tu as là-dessus? Ouais. Ah ouais. Hein? Mais toujours américain. Toujours américain, hein. Mais c'est ce qui... En même temps, c'est ce que ça produit... C'est ce qui tapait. C'est ce qui tapait à l'époque. Hein. C'est ce qui tapait à l'époque, hein. T'imagines, pour les Italiens, ramasser ces trucs-là. C'était... Puis le fameux, ça j'adore, les fameuses... c'est le grand boom que tout le monde y va. Allez hop, un deuxième cinéma. Et le gars qui se promenait avec ses bobines à vélo. En vélo. Et tout ça, c'est du vécu, tout ça, c'est vrai, parce que. Ça devait être. J'ai vu des reportages. Le pire, c'est que là, on rentre déjà dans l'ère du fric, hein. Oh, bien sûr. Déjà. J'ai connu des gens, notamment Guy, projectionniste. Ah. Et qui, lui, à son époque, me racontait déjà ça. Et puis, le truc magnifique que j'en profite toutes les années et que je vais avec une boule à l'estomac chaque été en me disant s'il vous plaît ne me retirez pas mon cinéma d'été, quoi. Ah, si le cet été tu pars en vacances, mais cet été on lance le cinéma d'été en plein air. Cinéma en plein air, quoi. Et comme tu me posais la question là tantôt pendant le film, tu me dis ouais mais quoi cinéma et qu'est-ce qui se passe s'il pleut? Ben, s'il pleut, la projection. C'est ça, moi je te disais, la projection a lieu, c'est toi qui te casse ou pas. Non, la projection n'a pas lieu, c'est fini. Ah non, mais non, j'ai jamais eu le coup. J'ai eu le coup une fois qu'il y avait une tempête de vent qui était sortie. N'oublie pas que t'es pas en Belgique non plus, hein. Ça arrive de t'arriver. Même. Qui sort en Belgique, Non, mais même pas ça, la pluie est là. J'ai eu une fois une annulation,
qu'ils avaient, qu'on s'est approché du cinéma, et on a vu, ouais, c'est, bon, annulé. Mais quand ils font ici, ça, ils l'ont fait plusieurs années, au cinquantenaire, quand ils font mauvais, ils l'annulent pas. C'est certainement d'une autre manière, j'en sais rien. Je sais pas, moi j'ai jamais eu ce coup-là, mais parce qu'en plus, le cinquantenaire, à l'époque, c'était carrément... J'ai eu un coup qu'une fois, il a plu, mais exagéré, mais toute la matinée, toute l'après-midi, j'ai ce coup-ci, il n'y a pas de cinéma, parce que tu crois justement que tu es dans le nord de l'Europe, ben non, t'es dans le sud de l'Europe, mec. Il a plu, je te le jure, il y avait de l'eau qui montait sur les trottoirs et tout. Je dis, ici, le pays est paralysé pendant, moi dans ma tête, pendant 3, 4, 5 jours, quoi. Les enfants occupés à pleurer, parce que bon, ils étaient tout petits, ils pensaient que les poissons allaient sortir de la mer et allaient rentrer, et peut-être même des requins. Mais avec 3, 4... Ouais, ils étaient... Je peux t'assurer qu'il a arrêté de pleuvoir vers 3-4 heures de l'après-midi, à 6 heures de l'après-midi, avec cette chaleur, il n'y avait plus une goutte. Ouais. Tout fini, terminé. J'ai dit, et voilà, et finalement, le cinéma a eu lieu. J'ai dit, qui m'aurait dit, évidemment, après, t'arrives, tes chaises en plastique sont remplies de boue, parce que quand il pleut, là-bas, c'est comme de la boue. Enfin, qu'est-ce qu'il s'appelait comme ça? Mais c'est vrai que, de toute façon, il n'arriverait rien. Tu vois, dans le film qui commence à pleuvoir, le projecteur est... Il est caché, ouais. Il est caché. Ouais, mais ce que je dis, rien ne se passe. Rien ne se passe, quoi. C'est juste l'image et bon, voilà, quoi. Si t'as le courage de rester assis sous la pluie et que le projectionniste coupe pas le film, ça continue, hein. Mais tu vois vraiment toute l'évolution, quoi. Le cinéma au départ dans le film quasiment muet jusqu'au cinéma en couleur, l'arrivée de la télévision. Le projectionniste pur et dur qui est noiré dans le film, déjà aveugle avec ses lunettes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est la télévision. C'est quoi la télévision? Ouais, mais ça marchera jamais. Il comprenait pas. Enfin, non, il a dit ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ouais. Il a pas dit ça. Ça me plaît pas. Il fait pas trop. Ça doit pas lui plaire. Et ils sont tous là, ils bougent plus de la maison pour, voilà, c'est. Non, c'est très, très, très. On voit un peu ce que, enfin. Les avis de nous, enfin moi je parle de mon côté parce que je suis de la génération internet. Non mais même dans le film, de toute façon, le film date de 88, c'est clair qu'ils n'ont pas rêvé ce qui allait se passer en 1970 avec la télé, hein, ça avait déjà eu lieu. Oui non, mais ce qu'il veut dire c'est qu'il prévoyait un peu la mort, mais l'absence de gens qui vont au cinéma, je passe suffisamment. Continuez. Ce qui se passe maintenant, quoi, comme on t'a dit, il y a beaucoup de... Moi, je suis de la génération Internet, on trouve tout en 2-3 clics, on regarde le film, quoi, tu vois. On télécharge le film. Je ne sais pas. Moi, je te le dis, tu vois. Moi, je te le dis, en tout cas. Je ne sais pas. Et c'est pas de maintenant, ça date quand j'avais 13-14 ans, tu vois. Quand j'étais en première année secondaire, c'est... Il va nous bassiner encore longtemps en disant qu'il est jeune. Non, je n'ai pas dit ça, mais je veux dire que ça a un gros impact... Il est peut-être jeune, mais on n'est pas vieux. Ah. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu connais, tu regardes certains films qui te... Voilà, on va pas entrer dans les détails, mais je veux dire que... Ah, parce que tu es triste déjà pour ça aussi. Le cinéma est en train de changer. Ça te connaît le fric. J'en ai marre d'acheter et d'acheter. Moi aussi. Et d'être... Mais je ne triche pas en regardant là où je peux pas. D'être constamment... Mais je ne regarde jamais le film entier. Voilà, c'est ça. Je regarde 20 minutes, une demi-heure du film, c'est bon, stop, je regarde... La suite après. Parce que dernièrement, je suis très... On se fait très souvent... Je suis très déçu des films. Mais je veux pas faire non plus, et c'est l'occasion de le dire ici avec ce magnifique film qu'on a vu ce soir, c'est... Ce qui se fait de nouveau n'est pas mauvais du tout, il n'y a pas que de la merde. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a même du très, 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 très bon, même de l'excellent... Mais voilà quoi, il faut être... Il faut trier, parce qu'on sait... Il faut faire un tri, il faut être prudent, parce que sinon, c'est pas... Mais on est des exceptions, nous. C'est pas 2000, 3000 films, alors c'est 7-8 000 films, quoi. Il faut savoir zapper sur des films et se dire, oh, non, ça je peux pas acheter, mais il faut voir le film, quoi, ça ouais. Ça, je pense qu'il faut voir le film. Le problème qu'il y a, c'est que je refuse de voir un film, et ça, je le dis, je refuse de voir un film sur un écran d'ordinateur ou un écran de... Voilà, GSM. Merci. Ça, non, je non, ne peux pas. Mais non, ce que je fais, parce que le fric, c'est le fric aussi,
il y a des sites, hein, Oui, on va pas les citer. Oh, on va les citer, mais il y a des sites qui... T'es pas payé pour. Qui te permettent. Qu'on peut pas. Qui te permettent de voir des films. Et là, je regarde un quart d'heure, 20 minutes. Si le film me plaît, je l'achète, quoi. Et s'il ne me plaît pas, bah, j'ai même pas envie de voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous deux, vous avez connu le cinéma de quartier ou le cinéma à l'ancienne. Mm-hmm. Comme tu m'as raconté, Potter. Mais il y en a plein. Non, mais, en attendant, t'as plein. Justement. Non, t'as plein de ces gens qui font comme toi. Oui, mais justement. Internet. Mais justement, c'est parce que moi, je te parle de moi, là, hein. J'ai grandi dans ce milieu-là, oui. Tu vois. J'ai grandi dans. Mais t'en as plein comme nous qui n'ont pas grandi avec ça. Mais justement. Et qui font la même chose, hein. Justement, qui font la même chose. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que parfois, nous, on veut savoir ce qui s'est passé avant. Comme moi, je parle de temps en temps des bornes d'arcade et compagnie. Je joue au nouveau jeu, écoute tout ce que tu veux, mais moi j'aime bien jouer à mes anciens jeux et compagnie. Et moi ce sont nos anciens jeux. Oui, vos anciens jeux, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, nous. Oui, je veux connaître votre ancien cinéma. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans notre petit cinéma d'école, on arrive, enfin. Et la question, que je te pose ici. Et quand tu vois un film comme ça, quand tu vois un film comme ça, okay. Que tu vois ces cinémas-là avec un écran de merde, parce qu'il faut dire que c'est l'écran de merde, l'image qui part vers le haut, mal cadré, le projectionniste qui oublie de changer de bande, tout ça je l'ai connu, j'ai même vu un blanc. Ça j'ai jamais connu. Moi j'ai un blanc, oui, mais la... Bah non, tu dis que la première fois que t'es rentré, t'as vu un film au cinéma, c'était ton bien. Non, je parle en famille. Ouais. Mais se planter avec des le milieu de l'écran, tout voilà, le blanc, et on voit mal, et ça, je le vois quand tous les États en Espagne. Là, forcément, le film commence. Mais maintenant, alors l'image qui n'est pas terrible et qui se. Floute ou qui bouge un peu. De nos jours, ils travaillent, main dans ton plein air, maintenant, ils travaillent plus avec des bobines. Bah, c'est ça. Maintenant, peut-être que j'ai pas eu ça. Ils travaillent plus avec des bobines. Non. Mais j'ai peut-être pas eu ça ces 2-3 dernières années. Après calcul, mais il y a 10 ans, j'avais ça encore, hein, que j'ai putain, qu'est-ce qu'on voit mal. Et puis d'un coup, paf, plein écran, j'ai voilà. Les mecs font pas attention aux bobines. J'ai connu et même voir un truc. Mais la question que j'allais te poser, quand tu regardes le film de ce soir et que tu vois l'ambiance qu'il y avait dans ces fameux cinémas, on va les appeler de quartier ou de village. Ouais. Toi qui as 26 ans, qui est à fond sur le net, moi qui suis un peu, et lui pas du tout. Qu'est-ce que tu penses de cette époque-là? T'aurais bien aimé vivre des après-midi là-dessus, ou tu te dis, c'est bien de voir comme ça, mais qu'est-ce que j'aurais foutu là-dedans? Mais tu vois, moi, ce qui m'énervait dans cette histoire, comme tu dis, j'ai connu la période, hein, où siffler et tout le bazar, c'est marrant une seconde, au bout de 5 secondes, ça m'énerve. J'ai fait avec, hein, mais. Mais justement, c'est Ça t'énerve, c'est clair, mais quand t'avais 12, 13 ans. 12, 13 ans, c'est différent, mais justement, Non. Moi je rigole. Quand t'étais gamin, c'est une chose, hein. Tu te dis pas, putain, j'ai raté quelque chose, qu'est-ce que j'aurais bien aimé être là-dedans, ou alors tu te dis, c'est bien, sans plus, quand même, franchement, je me vends pas là-dedans. Mais oui, justement, je dis que j'ai raté quelque chose, puisque je me répète souvent avec mes putains de bandes d'arcade et compagnie. C'est que. Non, mais ça, c'est déjà. Non, mais il y avait une ambiance. C'est ça, il y a une ambiance, il y a un rassemblement. Ça, il y a déjà très longtemps que vous avez perdu ça. C'est ce que moi je regrette cette époque-là où tu te rassemblais, tu faisais des connaissances, tu t'es sûrement fait des amis ou des connaissances. On se connaissait tous au cinéma. Voilà. Mais t'en as fait en plus. Ouais, tu t'en fais. Ça, de nos jours, c'est tu oublies. Je sais pas. Tu oublies ça. Je vais pas parler de jeunes de 20, de 25 comme toi. Mais les jeunes de 15 ans maintenant. Non, tu oublies, il n'y a plus. Ils n'ont pas d'amis. Toi, parce que tu les décides, parce que tu es social, tu en as, mais sinon, tu n'en as plus jamais. Non, c'est ça, c'est que je vois ma petite soeur qui a 14 ans. Tu as des amis virtuels derrière. Tu as des amis à l'école. Mais ça reste là, tu les vois pas. À l'école, c'est pas des amis. Wow. C'est même pas tes potes. Tu les supportes parce que tu dois aller à l'école et eux aussi. Ouais.
Ouais, on va dire parce que ça. Moi j'ai encore des amis maintenant à l'âge, j'ai deux enfants et compagnie. Parce ils sont toujours décédés d'aide sociale. Non mais j'ai toujours des... enfin, on va pas rentrer dans les détails mais ouais. J'ai toujours contact avec eux où je me réunis, on fait un truc les amis, on boit un truc, on fait un truc, on se revoit s'il vous plaît, allez, qui organise quoi, qui vient quoi. Mais oui, je regrette cette époque-là où il y avait ce rassemblement, ce rassemblement de gens de toutes. T'avais pas 400 balles civilitaires à l'époque. Ouais, voilà. Où tu jouais à la baballe dans la rue, où tu roulais à vélo, où t'allais au cinéma. Il y avait pas pour des enfants. Des milliers. Puis les parents nous amenaient. Bon, voilà quoi. Je pense que ce film-là sert aussi, entre autres, à montrer aux gens ce qu'était le cinéma à l'époque. Le cinéma à l'époque. Moi, j'ai 47 ans, j'ai connu ça. Toi, t'en as 26. Tu n'as pas connu ça. Non. Quand ce film aura 50 ans, peut-être que les gens... Il n'y aura plus de cinéma du tout. Il y aura du cinéma, mais ils se diront, putain, c'était quoi cette époque-là? C'est vrai, le temps passe, et le film nous l'explique bien, que le temps passe. Cruel, la vie est super génial, magnifique et super triste et tout quoi. Tout. C'est ça la vie quoi. Il y a rien à faire. Hein. Comme dirait l'autre, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie quoi. Donc voilà, on va revenir pour conclure sur ce qu'on faisait à l'époque, à nos débuts. Hein, Cinéma Paradiso, comme on dit, le film en Blu-ray version longue. Je me demande si ce film existe même. En version cinéma. Parce qu'ici, je pensais qu'on avait la possibilité de le voir en version cinéma. On n'a que la longue, en fait. Et on n'a que la longue, quoi. Parce que j'ai pensé à toi qui travailles demain, j'ai dit, ben, comme c'est la première fois qu'ils découvrent, je vais peut-être pas leur mettre la longue. Ils ont qu'à la découvrir eux-mêmes par hasard. Donc, voilà. Et quand tu lis ici, tu vois bien que Grand Prix spécial du jury, Festival de Cannes, Oscar en 90, Golden Globe en 90, alors que le film est sorti en 88. Ouais, mais si c'est janvier 88. Ouais, c'est ça. Tu tapes dans les Oscars en janvier 90. Juste la version longue. Juste la version longue. Ah ouais. Donc, franchement, moi personnellement, quand je dis zapper, c'est zapper. Quand je dis avoir, ça va. Et quand je dis garder, je pense aux personnes, pas aux personnes qui ont comme moi. Des milliers de films. En personne en général. Non, je veux dire, quand je dis garder, c'est si une personne qui n'est pas un cinéphile averti, qui se dirait, j'ai envie de me faire une petite collection de cinéma avec 100 films. Ouais. Avec 100 films, on va dire 100 films 100 à partir films. De maintenant. Est-ce que sur 100 films, ce film-là doit faire partie de top 100, moi, sans discussion possible? Moi, personnellement, je dis que oui, il doit faire partie des 100. Donc pour moi c'est un film à garder, même si vous n'êtes pas cinéphile averti, que vous avez qu'une centaine de films, c'est un film à posséder. Toi Eric? À garder, à zapper ou non, pas à zapper. Mais bon, mais de la sens bien. C'est petit et de beaucoup la, à la voilà, fois. C'est beaucoup et petit à la fois et c'est pour ça que je... Non, pas, absolument pas à zapper, ça c'est clair. Mais... Tu sans... hésites entre regarder et... et posséder à la maison quoi. Si tu dois avoir que 100 films chez toi à la maison, tu te dis je vais me faire mes 100 plus beaux films de surtout toi d'ailleurs, surtout toi qui est plus littéraire que cinéphile quelque part. C'est pour ça que ouais. Tu dis ouais, moi je vais pas avoir 2000 films comme l'autre ici. J'étais pas loin, je suis. Ouais, je vais me faire une collection de 100 films. Est-ce que tu le mettrais dans tes 100? Non. Non. Mais pas à zapper, absolument pas à zapper. Non, mais à voir au moins. Tu vois. Ouais, exactement. Oui. Et toi? Ah oui, tout à fait. Bah moi, à garder parce qu'il y a tout dedans. Oui. À garder. Si tu dois avoir 100 films. À l'avoir chez moi, si oui. Si tu dois avoir 100 films. Même pour moi, faire découvrir à mes enfants, oui. Oui, à avoir quand même. Oui. Ça fait partie... Moi, je cela crois, ferait partie de moi, ma je petite collection. Aujourd'hui, en 2018, oui. Et plus tard, encore plus. Voilà. Parce que il mais faut la même chose qu'il ne faut pas oublier des choses tristes qui se sont passées dans le monde. Dans l'humanité. Il ne faut pas oublier les belles choses qui se sont passées aussi. Dans le cinéma. Dans le monde et ce film-là raconte une époque où il y avait vraiment des grands moments et de la joie aussi dans le monde, quoi.
Donc voilà, pour Eric, il ne garderait pas dans le top 100. C'est, ah, pas... c'est très, c'est, je le dis, le répète, c'est très dur le top 100. Ouais, c'est très dur. Moi, sans discussion possible, oui. Et, moi, je le garderais parce que ça fait, on va dire, ça ferait découvrir à la génération, à moi déjà, ça m'a fait découvrir. Ah ouais. Mais moi, comme j'ai des enfants, ça ferait découvrir aussi à mes, ah, enfants. Ouais. Comment se passait ouais, ce temps-là, le cinéma? Comme je disais là tantôt, c'est un apprentissage sur, ouais, ce plan. Voilà. Sur ce plan-là, il est très bon. Mais de là à le dire dans les 100 meilleurs, c'est là la dureté du top 100. C'est clair que pour l'apprentissage d'une époque, il est dans le très haut. Maintenant, un top 100 de tous les films qu'on a déjà vus, c'est très... Moi, je pense, c'est la conclusion que je vais apporter à la soirée d'aujourd'hui. La même chose que l'on dit qu'il faut garder des témoignages pour l'horreur de l'Holocauste, tout cela, garder en souvenir des films tels que le Soldat Ryan, le jour le plus long, tout cela qu'il ne faut pas oublier, tous ces tristes moments, il ne faut pas oublier non plus les beaux et les grands moments. Que la vie que les gens ne connaîtront plus jamais que la vie nous a réservé à quelques petits vénards. Et bon, ce film aussi, franchement, Cinéma Paradiso, l'as depuis combien d'années en Blu-ray? Quand tu l'as vu il y a 5 ans, c'était celui-là. Ce film je l'ai acheté pour le 25e anniversaire du film. Donc est-ce qu'il est déjà passé à la télé? Ouf, un paquet de fois. 250 fois. Un paquet de fois. Mais je trouve que, enfin, moi, je sais pas, parce que la télé, franchement, je ne la regarde quasiment plus à part pour. Moi, les films. Que les films, je l'ai toujours dit. Non, moi, je ne sais plus regarder un film. Moi, je ne sais plus regarder un film à la télévision, c'est bon. Moi aussi. Moi, un film, ça doit être. Ça, c'est chacun à son. Ouais. Moi, j'ai quelque part la chance d'avoir le matos et je refuse de voir le film dans un. Moi, j'ai le matos sur le plan télé. Ouais, ici, la télévision, en plus de ça, bon, attention, il y a des écrans télévision très grands, très larges, avec une très belle image et tout. Pour moi, ça ne reste pas de la projection. Mm-hmm. Mais je veux dire, quand je dis que je ne regarde plus un film à la télévision, je ne sais plus regarder un film sur TF1, Antenne 2, FR3, RTL, coupé, publicité, image. Ça casse, la... Ouais. Moi, j'ai le matos. J'ai la chance d'avoir le matos pour... Et je refuse de voir une œuvre cinématographique massacrée par une chaîne de télévision. Quoi. Une pub, plutôt. Maintenant, je comprends que les personnes qui n'ont pas le choix et qui tombent là-dessus, voilà quoi. Donc voilà. Conclusion, comme on dit, une grande et belle soirée. Je vais même me lancer à le dire en italien pour rendre hommage à notre ami. Quand tu me demandais le nom là tantôt, Giuseppe Tornatore. Si. Giuseppe Tornatore, grazie mille per questo grande film, grazie mille per questa bellissima serata, grazie mille signore Tornatore per il Cinema Paradiso. Voilà. Bravo. Bravo. Ça, tu sais pas dire. Hein. Donc, je sais même pas. Donc, voilà, une belle conclusion en italien. Le film en lui-même et son réalisateur le méritaient bien. Je suis pas sûr que j'ai prononcé ça tout... Mais bon, l'espagnol et l'italien, ça se rapproche. Je suis sûr que si un jour... Il paraît qu'on est latin. Et ça m'étonnerait qu'il tombe sur cette vidéo. Il aura compris le message. Un grand merci pour cette belle soirée. Un grand merci pour ce film. Un grand merci, monsieur... Giuseppe Tornatore. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain, au mois de juin, pour le dernier ciné-club de notre deuxième année. Dans 5 semaines. Ouais, dans 5 semaines, puisqu'on va le faire vraiment à la tout fin juin. Ah, ouais, ça. À la tout fin juin. D'ici là, j'espère que vous profiterez de notre nouvelle vidéo, comme vous avez profité de celle d'avant avec Harry Potter qui a manifestement très bien marché. On était très bon aussi. On était très bon et l'image était exceptionnelle et je pense que sans aucune
On s'en vante pas, mais je pense que les vidéos sont de plus en plus belles et de plus en plus réussites. Continuez à nous liker et surtout liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous. On attend que ça et venez nous rejoindre sur notre groupe Facebook. On est déjà un petit groupe. Donc ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir. Il suffit pour cela de nous rejoindre dans le groupe Ciné Club du Vendredi Facebook. Vous faites une demande d'adhésion et on vous recevra avec le plus grand plaisir. Rendez-vous donc, comme je dis, au mois de juin pour la dernière de cette deuxième saison sur YouTube. Ça devrait être normalement fête. Non. Comment ça, non? qui sache pas ce que sera ça. Ouais. Voilà. Et surtout qu'on sera l'équipe au complet. Normalement, on devrait tous être au complet pour la dernière. On devrait tous être au complet pour la soirée du mois de juin, la dernière donc de cette deuxième saison. D'ici là, bonne soirée, profitez bien de notre vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Salut, ciao, à bientôt.